est le deuxième vice-président du CSP, c'est-à-dire l'organe politique que je dirige. Et Picaf était avec nous en exil. Nous avons galéré ensemble en exil. On ne peut pas venir prendre Picaf comme ça pour dire allons au procès, on va t'envoyer au tribunal parce que tu allais braquer une. Tu allais braquer. Même pas braquage. Tu allais attaquer un camp avec des couteaux et des boudins. Picaf que je connais, je sais qu'il a un minimum d'intelligence. Et je voudrais ici exprimer à Picaf toute la solidarité du CSP, ma solidarité, toute la solidarité du CSP. Et nous allons mener ensemble ce combat parce que ce n'est pas juste de traquer les opposants. Pour nous, c'est un procès politique, un point très. Autrement, lorsque Picaf rentrait en Côte d'Ivoire le 30 avril, on l'aurait arrêté à l'aéroport. Pourquoi subitement, c'est au moment où il commence la tournée pour la fête de l'indépendance, la fête de la Renaissance à Yopougon, que subitement on sort une affaire antidatée, qu'on lui dit que tu as fait ça. Pour nous, c'est un procès politique. Nous le considérons comme tel et nous sommes fiers de la déclaration qui a été faite par les partis pour soutenir nos camarades et nous allons être avec lui. Chers amis, nous sommes ici pour une question précise qui se détache en deux branches, mais la colonne vertébrale de notre présence ici, c'est l'inacceptable injustice que les gens veulent par tous les moyens imposer à l'un des citoyens, peut-être même le citoyen le plus honnête de notre Côte d'Ivoire. On ne peut pas accepter ça. On est venu leur dire, on ne peut pas accepter ça. On ne peut pas accepter ça. On ne peut pas accepter ça. À un moment donné, il faut savoir mettre des limites. En toute chose, il faut savoir mettre des limites. Le haut là, c'est important. Voyez-vous, le RHDP se comporte comme quelqu'un. On est assis là, hein? On est des milliers. Je jette une pièce de 100 francs, je mets mon pied là-dessus, et puis je dis, bon, cherchons la pièce. Mais on va passer toute la nuit ici, on va passer la pièce tant que je n'ai pas le pied. Il dit, il cherche la réconciliation. Ils disent qu'ils veulent la réconciliation. J'ai écouté le ministère du gouvernement à la commission de l'ONU sur les droits de l'homme. J'ai dit, mais est-ce que c'est de notre pays là qu'ils parlent? Est-ce que c'est de notre pays où on vit, ils parlent? Tout va bien, les droits de l'homme marchent bien ici, tout est dans la chose, ainsi de suite. Donc dans la réalité, leur problème, c'est quoi? On parle de réconciliation, mais en fait, ils n'en veulent pas. Du moins, ils ont une confusion terrible, une confusion lexicale terrible entre la réconciliation et la soumission. Ils veulent qu'on se soumette définitivement à leur volonté. Mais ça, ça ne marche pas. Dans une république démocratique, ça ne marche pas. C'est pourquoi il y a un pouvoir et il y a une opposition. Et je disais à un ami du RHDP, mais si vous n'êtes pas content de votre position de pouvoir, venez dans l'opposition. Puisque apparemment, ça ne vous arrange pas. Vous vous comportez exactement comme des opposants. Bon, on va échanger les rôles. C'est tout. Chers amis, la question de la réinscription du nom du président Laurent Gbagbo est une question non négociable pour le peuple. C'est non négociable.
c'est non négociable et tous les agriculteurs de vente qu'ils avancent par-ci, par-là, qu'il faut aller à l'Assemblée. Nous ne sommes plus dans l'Assemblée nationale. Nous, on a fait ça. Chers amis, je vous fais chronologiquement les pas que nous avons posés en vue de la réconciliation et autour de la question du président Mbonimpa. Le président Laurent Gbagbo est arrivé malgré toutes les souffrances qu'on a infligées. Il est arrivé au nom de la République, au nom de l'État. Il allait rendre visite au président Ouattara pour lui dire « Monsieur le président de la République ». Mais en fait, en politique, les notions ont un sens. Et peut-être qu'ils ne comprennent pas ça, et ça ou pas ça, il faut qu'on leur explique. Il y a un sens. Est-ce que vous savez pourquoi, lorsque on fait l'élection, le vainqueur attend toujours l'appel du vaincu? C'est parce que c'est par cet appel-là que la légitimité du vainqueur se trouve renforcée. Elle n'est plus une légitimité qu'il tire de ses seuls électeurs, mais de tout. De tous les autres électeurs, parce que le candidat vaincu, par la paix qu'il fait, est dire à l'autre, je t'envoie ma légitimité que je tire de mes électeurs. Pour que tu ne sois plus président d'une seule, d'un seul camp, mais de toute la terre d'un pays. Voilà les sens républicains de la paix. Et quand le président Laurent Gbagbo arrive, et qu'il va dire au président Ouattara, monsieur le président de la République, mais c'est ce qu'ils attendaient depuis des années. Et si donc, le manque de légitimité criarde qui leur manquait, le président Laurent Gbagbo le même a donné. C'est ça le sens de la République. On dirige une République, il faut savoir comment elle fonctionne. Mais ça, c'est pas suffisant. On s'en va au dialogue politique. Et la question des injustices faites au président Laurent Gbagbo a été âprement discutée. Et des résolutions ont été arrêtées. Et l'une des résolutions, c'est que nous devons absolument prendre une loi d'amnistie, non pas parce que nous nous reconnaissions coupables, mais parce que dans le système judiciaire ivoirien, il n'y a pas d'autre procédure pour corriger les injustices qui sont faites à un citoyen qui a été mal jugé. C'était ça. Et on est tombé d'accord là-dessus. Même si des petits malais. Et c'est ça qui est le problème avec le RADP. Il y a des doublements qui ont changé. Il dit, si tu vois deux personnes se battre sur une affaire de 600, c'est qu'il y a quelqu'un qui veut prendre 400 et veut donner 200 à l'autre. Et c'est comme ça avec eux. C'est comme ça avec eux. On se met d'accord qu'il faut que le président de la République initie une loi d'amnistie. Si tant est que l'interprétation que nous faisons de la loi de l'ordonnance d'amnistie de 2018, si tant est que qui est clair, mais eux ont du mal à la comprendre, pour leur faciliter la compréhension, on leur a dit, bon, comme vous ne comprenez pas ce qu'on vous dit, bon, prenez une loi, vous dites, bon, comme on a fait trop d'injustice à monsieur, à ce monsieur, on va prendre l'ordre d'amitié, on donne la réconciliation et on avance. On est là, et puis un matin on dit, ça fait grâce. La grâce ne lui concerne pas. La grâce, ça c'est pas pour nous. Parce que une grâce, ça suppose que nous reconnaissons les faits et que nous avons demandé pardon au président de la République pour qu'il nous gracie. Or, on ne reconnaît pas les faits. Et les faits, on ne peut pas les reconnaître. Ils sont tellement grossiers, tellement inacceptables, tellement sales, tellement nauséeux, qu'on ne peut pas s'apprêter d'accepter ça. Quelle gloire à la République de dire que l'un des présidents, des anciens présidents de la République, a été braqué de banque. Quelle gloire à la République à partir de ça. Et vous savez ce qu'ils ont pris dans l'année fiscale. Et c'est hier, j'ai vu.
Je n'ai pas parlé beaucoup. Ça, là, on va les laisser dans la tribune. On va les laisser dans la tribune. Mais en fait, parfois, les gens, ils ne nous prennent pas au sérieux. Ils ne nous prennent pas au sérieux. Là, c'est qu'ils disent que nous, on n'a pas payé les salaires. Comme ils ne peuvent pas passer à la comptabilité, ils veulent passer dans leur loi ordonnant qu'on n'a qu'à effacer ces écritures. Ça ne s'efface pas comme ça. Hein? Les écritures ne s'effacent pas comme ça. Si vous effacez ces écritures, vous allez nous expliquer alors pourquoi vous avez condamné le roi Papou. Pourquoi vous avez condamné? On ne va pas rentrer dans le procès tel qu'il a été fait. Et je vous dis pourquoi nous n'allons pas encore à nous n'irons nulle part. Parce que eux-mêmes, on a évacué, on a fini avec toutes les questions de procédure judiciaire. On a eu une décision de la Cour africaine des droits de l'homme dans l'autre pays. Qui surclasse toutes les autres décisions ici. Soit vous l'appliquez, soit vous ne l'appliquez pas. Mais si vous ne l'appliquez pas, ça veut dire qu'on n'est plus dans un état de droit. Ça veut dire que dans la réalité, un citoyen à qui un juge reconnaît une vérité, lui établit un droit, l'exécutif ou alors la CEI peut décider de ne pas appliquer. Dans ces conditions, nous avons quitté la République, nous tombons dans la jungle. Et dans la jungle, chacun se bat les moyens qu'il dispose. Dans la jeune, c'est pourquoi la République est établie. La République est établie autour d'un certain nombre de valeurs. La valeur. Trois pouvoirs. L'exécutif, le législatif et le judiciaire. Et celui qui incarne la République et qui doit faire en sorte que toutes ces décisions soient rendues applicables, c'est le président de la République, c'est le gouvernement. Donc si une décision de justice arrive et vous refusez d'appliquer, vous lui dites d'aller, on a qu'à aller encore, on va aller voir quel juge encore. C'est de la roublardise, c'est de la ruse. Et c'est ça qui est malheureux ici. Les gens font confusion entre faire la politique et faire la ruse. Mais nous, on est plus rusé que vous. On est plus rusé que vous. Chers amis, nous sommes le fruit de notre lutte. Le président Laurent Gbagbo a tout acquis par la lutte pacifique, déterminée. Nous sommes le fruit de cette lutte. Nous ne pouvons pas abdiquer. Jamais il ne reviendra dans notre parti de prendre des armes contre la République. Parce que c'est notre pays. On l'aime. Mais ne nous prenez pas pour des moutons. Mais ne nous prenez pas pour des moutons. Parce que même à force de mettre le bois dans la boue de mouton, si vous ne faites pas attention, vous finissez par en faire un chien. Exaspération. L'exaspération. Nous sommes totalement engagés pour le dialogue politique. C'est pourquoi, par deux fois, nous avons écrit au Premier ministre Robert Mandé, le 15 mars et le 12 avril, pour lui dire les élections arrivent. Nous avons une question existentielle pour nous, une question de rupture pour nous. Il s'agit de la question de Laurent Gbagbo et puis un certain nombre d'exigences que nous essayons de formuler et rassemblons-nous et puis on va se parler. Jusqu'à aujourd'hui, ils n'ont pas encore répondu. C'est justement là qu'ils font l'erreur. J'ai dit, et du haut ici, oui, nous les respectons. Parce que le respect qu'on leur doit au nom de la République, au nom de l'État qu'ils incarnent. Nous sommes obligés de les respecter, de les respecter. Mais nous n'avons pas peur d'eux. Nous n'avons pas peur d'eux. Nous n'avons pas peur d'eux. Que cela soit clair et net. Il y a une démarcation nette entre le respect et la peur. Je préfère une paix contre
organise autour de la du respect qu'une paix qu'on veut imposer par la peur. Mais nous là, vous allez nous effrayer encore avec quoi? Bon, ça, on a qu'à se parler. Vous allez nous effrayer encore avec quoi? On a gagné les élections ici. Vous nous avez pris, envoyé en prison. Vous êtes assis ici pour voir partout pour dire on ne reviendra pas. Il est revenu. Il a créé son parti politique. On est sur le terrain. Chaque jour, vous nous menacez, on va vous envoyer en prison, on va faire ceci. Et puis vous voyez qu'on ne change pas. Changez votre façon de faire. Ça veut dire que votre façon de faire, elle ne peut pas régler le problème. Revenons donc à ce que nous, on vous demande de faire. Asseyons-nous et discutons. Et c'est ce que exactement la commune, les gens à l'ONU ont dit au gouvernement ivoirien, parce que moi j'ai suivi tous les débats, hein. Ils disent, il faut engager le débat. Il faut un dialogue politique inclusif pour des élections inclusives et transparentes. C'est ce qu'on leur a demandé de faire. C'est ce qu'on leur a demandé de faire. Mais est-ce que c'est notre faute si on veut pas nous? Est-ce que c'est notre faute si on a connu un candidat? Donc c'est pas notre faute. Camarades, nous sommes le PPAC, les Probaco. Vous êtes l'incarnation. Vous êtes notre espérance. Vous êtes notre jeunesse. Chez nous, quand quelqu'un rentre dans ta maison et puis il t'attaque à ton papa, ce n'est pas ton papa qui t'attaque, hein. À lui qui t'attaque. C'est toi-même à qui toi t'attaque. Donc, le refus de l'institut représentant Laurent Gbagbo, c'est une attaque frontale contre tous les jeunes. Et on ne peut pas accepter ça. On ne peut pas accepter. Et nous continuons. Il est encore temps qu'on s'asseye et que nous parlions. Asseyons-nous, nous allons parler. C'est notre pays commun. Il y a toujours des solutions. Et c'est ça le fondement de la politique. La politique, c'est la capacité de trouver des solutions partout. Et si vous refusez de faire ça, vous réconfortez vous. Donc nous, on va s'asseoir, prendre les mains. Et puis on dit, vous n'êtes pas candidat. Et puis on va sortir, on va vous applaudir. Aïe, quand même. Et quand on a dit non, vous nous menacez. Mais on ne vous menace pas. Voici, vous êtes dans une voiture avec un chauffeur. Et le chauffeur, il conduit mal, il dort, il conduit mal. Et un passager dit, pardon, il faut te réveiller. Et vous nous dites non, toi, tu vas faire un accident. Ce n'est pas celui qui a dit qu'il faut te réveiller, tu vas faire un accident. C'est parce que le chauffeur dort. Oh, et il dort. Ils ont la voiture, ils conduisent mal. On vous dit, réveillez-vous, pourquoi on est à destination? Vous dites, on va faire l'accident. Mais c'est parce que vous dormez. Chers amis, et je vais terminer par là. On vous a exhorté, allez vous inscrire, les nouveaux majeurs. Allez-y même vérifier votre inscription, parce qu'ils sont forts. Hein. Si vous asseyez un matin, alors que vous êtes à Paul Boissy, on va aller voter à Oukoka chez moi là-bas. On est votre main arrivée là-bas. Donc, il faut que vous restez pour regarder. Allez-y vérifier si vous êtes sur la liste électorale. Les enjeux de l'élection 2025, et je finirai par là, sont des enjeux trop sérieux. Le monde qui se dessine, qui s'organise et qui arrive est un monde dans lequel soit l'Afrique s'élève, elle fait front, elle gagne,
où l'Afrique est dévorée. Or, pour gagner, il faut des leaders. Il faut des leaders. Dieu nous a préservés. Notre leader était là. On l'a fait partie. Il est revenu. C'est toute l'Afrique qui nous regarde. C'est tout le monde qui nous regarde. C'est toute la jeunesse qui nous regarde. C'est tous les planteurs qui nous regardent. C'est tout le monde qui nous regarde. Leur espérance s'appelle Laurent Gbagbo. Et nous n'avons pas le droit de leur enlever cette espérance. Que Dieu vous bénisse.